Salut à tous les ozos, nous voici aujourd'hui sur Minecraft avec ma belle pelle en diamant. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait une petite armure qui va bien. Protection 3, protection 4, protection 4, protection contre les projectiles. Oui, j'ai pas réussi à avoir protection. Par contre, j'ai eu une chute amortie, j'ai rajouté agilité aquatique et même de la solidité. Vous voyez qu'on est quand même plutôt pas mal. J'ai de quoi un petit peu me balader, tout va bien. Alors, tout ça a été réalisé bien sûr grâce. Hop, on va passer en vue normale, voilà. Tout ça a été réalisé bien sûr grâce à ma salle à XP hein, que j'ai terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment. J'en suis assez content parce que c'est vraiment. Oh, c'est bientôt fini, oui. C'est vraiment la pièce que j'ai le plus décorée jusqu'à présent. Voilà. Vous pouvez le voir. On a un sol, donc je me suis beaucoup inspiré de ce qu'avait fait Hypierre dans ses épisodes. Qui est quand même relativement joli avec ce petit tiki là qui est posé au sol qui est vraiment enfin que je trouve moi personnellement très très joli tout en haut donc on a le passage qui se fait au niveau de cette zone là qui est vraiment sympathique c'est en fait tout ce qui est bien sûr le passage des monstres. On a notre petite hop on off pour le XP et bien entendu le Green Emerald. Ça c'est super. Ici on a un petit peu ce que j'ai pu faire depuis hein, enfin, vous voyez quelques tests etc. Je m'étais mis ça c'est ce que j'ai looté un peu sur les mobs. Parce qu'au niveau loot de mobs, voilà un petit peu ce que j'ai pu récupérer juste pendant ma période de farm un petit peu pour récupérer un peu d'XP pour me permettre de faire un petit peu tout ça. J'ai fait aussi quelques livres pour essayer d'avancer. Et pour le moment vous voyez par exemple mon épée ici qui est plutôt pas mal. Elle a looting 3 Sharpness 3 et Knockback 2, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai une deuxième ici qui est Solité 3, Knockback 1, Sharpness 3 et Aura de Feu, donc c'est-à-dire Fire Aspect. Au niveau des pioches, on a surtout de l'efficacité et de la solidité. Je n'ai pas réussi, puisque ça c'est un petit peu mon petit souci, à avoir ni fortune ni Silk Touch pour le moment, donc ça viendra. Mon arc Power 3, Flamme 1 et le Frappe 1, ça correspond à Punch, si je me souviens bien. Vous voyez, ma hache et ma pelle sont plutôt pas mal. Donc je m'en sors plutôt bien, j'ai plutôt un bon stuff, ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller faire un petit tour dans le Nether et de récupérer. Alors ça va être hop là, dans mon autre salle. Et d'aller récupérer au niveau d'une forteresse. Vous voyez déjà de la Nether Wart pour pouvoir faire les petits trucs. 4 larmes de ghast. 54 bâtons de blaze. Et ouais, looting 3, c'est génial pour ça. On a encore quelques Nether Wart. Des yeux d'araignée, etc. Enfin, tout ça c'est ce qui sort un petit peu de tous mes dispositifs à bestiaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, ah oui, petite chose, j'ai mis à jour mon mode de mon pack de ressources, hein, le Redcraft. Malheureusement pour moi, enfin moi personnellement je trouve ça un peu dommage, j'ai perdu l'aspect un peu plus lisse qu'avait la pierre avant. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça enlève un petit peu de. Enfin, ça rend un petit peu plus dur toutes les constructions en pierre. C'est un peu dommage. En plus, regardez un petit peu la tête des moutons. Ils tirent vraiment la gueule, les machins. Mais bref. Donc ça je verrai si je garderai, je vais essayer de peut-être d'en trouver un autre, je sais pas encore. Ce sera à voir avec le temps. Enfin à voir un petit peu ce que je peux faire parce que là c'est compliqué. Alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va commencer. La laine blanche, tiens, je vais en prendre. Je vais prendre de la laine parce qu'on sait jamais, j'ai quelques idées. On va commencer à regarder ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la maison en termes de décoration. Parce qu'on va d'abord essayer de faire, comment je pourrais dire, les pièces, la tête un peu que les pièces devraient avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Des dalles de quartz. Ok, je prends. On va regarder un petit peu ce que, donc je disais, on va pouvoir faire au niveau des pièces. Et en fonction de ça, j'ai quand même énormément de trucs. Hein. Et en fonction de ça, on va réaliser tout simplement. Hop, est-ce que j'ai mon. Voilà, la chasse aux poules. Hop, merci. C'est bien. Oui, je me fais des colorants noirs. Ça peut être utile après tout. Et puis, profitons du fait que ça spawn quand même. C'est quand même. Ça, c'est par contre, c'est génial.
Ça spawn vraiment vraiment beaucoup en termes de poulpes là-dedans. J'aurais pas besoin de faire une usine, je pense. Parce qu'en fait, à chaque fois, bah, il suffit de passer par ici avec les pelotines. Vous voyez, là, j'avais 24 pochettes d'encre. J'en ai encore deux là. Oh, un peu plus que deux même. Vous voyez, à chaque fois, c'est 3 ou 4 petites encres à faire ce genre de choses. Alors évidemment, ça abîme un peu l'épée, mais bon. Eh, c'est une épée, hein, c'est là pour ça. Franchement, c'est là pour ça. Au pire, je m'en ferai une autre. Bref, on va peut-être pas passer tout notre temps là-dessus. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Hop. Merci. Ce qui se passe au niveau de la maison. Putain de forêt de merde. Il faut vraiment que j'y pense là. Il va falloir que j'améliore complètement le passage vers les différents endroits. Hein. J'irai même, j'ai commencé à avoir d'autres idées. C'est-à-dire que d'une part, je veux relier vraiment. Par un chemin réel toutes les zones et je pense que je vais revoir toute la partie qui est devant le mont Rochemob. Peut-être que je vais tout enlever, y compris le KFC et notre portail, pour essayer de refaire une pièce qui sera en dessous et qui va tout récupérer. Et peut-être même que je mettrai là. Bah, ce serait un petit peu dommage parce que c'est sur la maison que j'aimerais faire un petit peu la batcave. Non, d'ailleurs, je pense que je le ferai pas, mais enfin, je ferai pas. Ici, je pense que je vais faire un espèce de hub dans lequel j'aurai le poulet, le portail, l'accès à l'XP, etc. Et donc, dans ce cas-là, je vais peut-être démolir un peu tout ce qu'il y a devant et tout re-rentrer à l'intérieur, quitte à décaler un petit peu le portail. Et après, il faudra que je fasse donc au niveau de ma maison, là-haut, tout ce qui est suivi des items etc etc. Donc je vais faire sans doute un petit conduit à items qui amènera tout dans une salle des coffres bien rangés tout plein avec des filtres. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je peux en parler hein, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Comme ça je suis sûr qu'au moins on va faire quelque chose de bien. Voilà. Donc c'est ici que ça va se passer aujourd'hui, puisque mon but ça va être un petit peu de comment je dirais, de faire quelque chose avec cette salle. J'ai déjà une idée. Alors déjà je vous l'ai déjà dit, je pense que je vais essayer de mettre la salle à potions automatisée de ce côté-là avec un sélecteur et tout, mais je sais pas encore comment je vais l'installer. Est-ce que je vais pas réduire à un moment donné la pièce ou un truc comme ça, vous savez, pour placer de la machinerie derrière. Je pense que de toute façon je serai obligé, hein, je pense qu'on va arriver jusque-là à peu près, quitte à ensuite utiliser un petit peu plus en dessous pour faire tout ce qui est machine. Donc ça, ce sera la première base de mon laboratoire, on va dire. Ici, il faudra que j'aménage un truc, je sais pas encore. Et après, on descendra dans les profondeurs insondables de l'infini pour faire quelque chose. Mais bon, tout ça, on verra un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on va se mettre par ici. On va se mettre par ici, ça me paraît pas mal. Et on va se dire, eh ben, on va essayer de faire un truc. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, 1, 2, 3. Abracadabra! Nous y revoilà. Donc, beaucoup mieux, non? Beaucoup plus sympa, ça fait un peu plus ambiance laboratoire. Alors, je sais que j'ai des petits soucis d'éclairage, c'est pour ça que je suis en paisible pour le moment. Je vais d'abord faire un petit truc qui me tenait à cœur, c'est-à-dire rendre un petit peu hommage. Attendez 30 secondes, là, je me mets l'image qui va bien. Rendre un petit peu hommage à bah, la personne qui habite normalement ce beau château. Bah, tout simplement reproduisant, hop là, avec vous. On est bon. 1, 2. Je vais me mettre comme ça parce que sinon je vais avoir du mal. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Donc je disais, en reproduisant tout simplement bah, la tête de cette personne, enfin du moins la tête. Un petit hommage, quoi, tout simplement, un hommage simple, discret et tout, à la personne qui, comme vous le savez, loge normalement ici, après tout, et qui a d'ailleurs donné son nom à la série, puisque c'est une série maintenant, hein, puisque ça fait un petit bout de temps maintenant que je vous fais ces épisodes-là. Hop. Hop. Oui, je me suis beaucoup entraîné pour le faire. J'ai beaucoup cherché, surtout pour essayer de trouver un truc qui valait vraiment le coup. Ouais, non, c'est là. Hop. Parce qu'en fait, il y a énormément d'images de la tête. Parce que là, c'est la tête d'Iron Man, comme vous pourrez le voir. Hein, vous voyez, c'est un petit hommage. Voilà, Iron Man serait avec moi ici. Dans sa batcave, enfin, du moins dans son. Je sais pas
pas sûr qu'on puisse parler d'une Batcave pour Iron Man, mais. Hop, voilà, là, magnifique, vous avez vu? Iron Man, yeah. Donc évidemment, pour compléter un peu, pourquoi j'ai des portes moi? Je sais pas. Donc pour compléter un peu, oui, je m'étais fait pas mal de leviers parce que j'avais commencé à faire pas mal de. Donc, hop. Ça c'est bête. Que je viens de faire est très très bête. On laisse au fond. Hein. On fait comme ça. Voilà. On va lui faire des yeux un peu lumineux. Ça va être beaucoup plus sympa. Et ça va améliorer un peu. Ah putain, mon bloc de quartz. Je sais que c'est. Enfin, c'est précieux. C'est du farmage surtout. Hein. Soyons clairs. Le bloc de quartz, c'est pas. C'est pas ce qui fait de ce qui se fait de plus précieux, mais du moins c'est beaucoup de temps surtout passé à faire ça. Voilà. Et voilà. Puisque la lumière est diffusée par ce genre de choses. Si je regarde un petit peu en termes de lumière, on est comment? Light 12, 12, 11, 10, 12, 12, 12, 12, 12. Dans le coin, on est plutôt pas mal. On a un petit souci par ici, évidemment. Mais bon, au moins on a réalisé cette magnifique petite voilà petite chose. Pour le reste, ce que je propose, c'est qu'on va replacer des torches. Pourquoi est-ce que je fais pas encore de la déco et que je mets des torches à la place, par exemple de comment je pourrais dire de lampes de redstone, hein, tout simplement, qui pourraient être installées à la place. C'est parce que bah, je me dis cet espace-là, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ici, je sais que je vais installer ma salle à popo. Je pense que une grosse partie de la pièce, enfin du moins comme je vous le disais, je pense je me demande même si on n'aura pas une pièce qui sera coupée ici, en tout cas pour l'utilisateur. Parce qu'en fait ce que je veux faire c'est un sélecteur à potions, vous savez un peu comme Pierre avait fait un chemin à potions, donc on voit les potions passer, être envoyées au fur et à mesure, donc d'ailleurs il va falloir que j'aille chercher de la glace. Et tout ça, ça va prendre pas mal d'espace. Et en dessous, surtout, il faudra que je fasse tout ce qui est redstone. Mais bon, déjà, on a fait un truc pas mal. On a notre petite tête d'Iron Man qui se trouve ici pour bien dire que ouais, on est chez Iron Man. Voilà quoi. On arrête de blaguer. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On a plutôt pas mal joué pour le moment. De ce côté-là, ouais, j'avais commencé, excusez-moi, hein, excusez le désordre. J'avais commencé à regarder un petit peu ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je pense que je vais essayer d'installer, voilà, un poste de télé un peu comme ça, un gros divan, bon, peut-être pas aussi gros que ça, mais bon, dans cette idée-là, table basse. Ici, on verra peut-être un bureau, un truc comme ça. Ici, sans doute la cuisine avec un îlot central qui sera au niveau des coffres. Je pensais utiliser. Non, d'ailleurs, je pense que le bureau, je le ferai plutôt là-bas. Et utiliser cette pièce-là, là, qui est assez grande et magnifique et sans doute très difficile à fermer d'ailleurs pour le commun des mortels, du moins pour les. Ah, d'ailleurs, j'ai peut-être. Non, j'ai peut-être inversé en fait. Je vais sans doute mettre la chambre ici parce que ce sera plus facile d'imaginer un endroit ici où on pourra s'installer. Donc peut-être d'ailleurs faire une séparation en installant une espèce de salle de bain derrière avec vue sur l'extérieur et puis une chambre devant, ce sera peut-être pas si mal, dressing etc. Et là-haut donc installer un bureau classique je pense. Après il faudra voir, je sais pas encore parce que en même temps il serait de bon ton d'utiliser un petit peu les nouveautés de la 1.8. Par exemple l'armor stand etc. Et donc ça va être quelque chose qu'on va essayer de faire dans une sorte de dressing tout simplement ce qui serait plutôt pas mal voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire de ce côté-là? Et eh ben vous voyez donc là le laboratoire a déjà pris un peu meilleure allure. Pourquoi du blanc? Bah parce que ça fait très laboratoire hein, tout simplement, c'est très le côté labo. Ce que je pense faire, c'est quand je vais commencer à redescendre par là et à créer un petit peu, ou même là, quand je vais créer toute la partie astroport, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que je vais recouvrir, je pense, utiliser des dalles de pierre, tout simplement, ici, parce qu'en fait, je vais faire une séparation entre le laboratoire relativement propre
Et après, ce qu'il va y avoir ici, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment, donc d'une part salle des machines, parce que je vais essayer d'avoir des machines qui seront là-haut, qui vont être un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus travaillées, enfin du moins qui vont être jolies ici, et toute la machinerie en dessous. Et après, donc après, par contre, j'ai toujours un, enfin, je me pose depuis quelque temps la question, où est-ce que je vais bien pouvoir traîner ma salle des coffres? Vous voyez? Parce qu'en fait, voilà, ce qu'on a là-bas, c'est l'usine à mode, à mob. Donc là-bas, j'ai pas mal de loot qui arrive, du moins quand, quand évidemment je suis pas en paisible comme c'est le cas actuellement. Ici, j'ai l'usine à faire. Donc là, pareil, j'ai pas mal d'items qui tombent là-dessus. Au niveau item, normalement, on passe. On n'est pas, enfin, on est assez proche pour envoyer les items et les faire arriver. Par contre, au niveau spawn de mobs, ici, en étant dans la maison, je suis trop loin. Comparé à cette zone là. Donc déjà là-bas je vais refaire un petit peu tout ce qui est hub là-bas, hein. Je vous l'ai dit normalement dans l'introduction de cette vidéo. Donc je vais refaire un petit peu toute cette zone là pour essayer donc sans doute réaplanir la montagne. Enfin, ce que je veux c'est quelque chose de. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Enfin bref, je vais regarder ça, je vais essayer de creuser un petit peu dans la montagne, un petit peu en dessous des têtes sans doute. Installer vraiment quelque chose de plus joli pour mettre pour remettre et le KFC et le machin ici. Ici bah il faut vraiment que je me enfin que je fasse quelque chose, il va falloir que je design. J'avais une idée, je vais voir si c'est faisable, je vais voir enfin du moins si c'est faisable. C'est sans doute faisable, le problème c'est est-ce que moi j'en suis capable. Alors ce sera sans doute pas filmé parce que ça aurait été plus sympa de le faire. En comment on appelle ça en timelapse et j'ai pas de deuxième compte donc ce sera sans doute pas filmé, je vous montrerai juste le résultat à la fin comme ça on pourra avoir quelque chose de plus joli. Et donc à partir de là, est-ce que c'est dans cette maison-là que je vais faire une salle des coffres? Sachant que j'aurai les potions et tout, ouais, ce serait quand même, ce serait ce qu'il y a de mieux en fait. Il faudrait, je vais faire un passage d'item du rush mob là-bas jusqu'ici. Au pire, je me mettrai en AFK là-bas, ça passera les items, ça me les amènera jusqu'ici et ce sera retrié dans les machins. Donc quand je pourrai faire tourner un petit peu l'usine à mob, il suffira d'allumer tout simplement l'ordinateur et de me mettre en AFK près de l'usine à mob, ce qui fera spawn tout ce qui va bien. Donc comme ça, j'aurai réglé un petit peu le problème du spawn des mobs. Ici, il faut peut-être que je descende dans le jeu. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais bref, donc dans ce cas-là, il va falloir que je creuse quand même, parce qu'ici, j'aurais sûrement pas la place de faire une salle à des coffres. Est-ce qu'il faut que j'essaie de passer par. Alors, en fait, j'ai deux choses. Soit, par exemple, je récupère cette caverne-là, là, ici. À peu près bah à peu près à la taille où je suis et j'ouvre vraiment la montagne pour faire un espèce de enfin pour faire une espèce de grande salle et dans ce cas-là bah il faudra peut-être que je est-ce que ça va le faire ça? Dans ce cas-là ici j'aurai quelques machineries, je pourrais peut-être réouvrir un peu par ici pour avoir de la machine. Ça dépendra de ce que je veux faire comme, comme truc, si je trouve des trucs intéressants à faire. Et dans ce cas-là, si j'ai une salle en dessous. Si, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais partir sur cette idée-là. C'est-à-dire, je vais faire la salle des coffres en dessous et je vais tâcher dans ce coin-là, là, ici, à ce niveau-là, de faire un espèce de. Je vais essayer de le designer un peu comme ça, comme un téléporteur. C'est-à-dire, en gros, bah, tout simplement un truc pour tomber et un truc pour remonter, un espèce d'ascenseur, pour faire un aller-retour jusqu'à la salle des coffres. Comme ça, ce sera pas mal, ce sera pas mal du tout. Voilà. C'est un peu l'épisode de l'arnaque, mais bon, de temps en temps, bah, ça fait du bien. Moi, je trouve ça sympa, je discute un peu, je vois un petit peu mes projets, comme ça vous voyez que je ne laisse pas tomber du tout ici, que ça avance petit à petit. Hein. De toute façon, c'est un peu le principe de l'aventure sur ce monde-là. Donc je vais préparer de mon côté, enfin, je vais commencer à avancer un petit peu ce truc-là, là, ce design-là que j'espère faire. Et donc dans les prochains épisodes, on va avoir toute la transformation là-bas. Donc il va falloir que bah, je vais sans doute faire un massacre, hein, de toute façon, tuer un peu tous les moutons. Ou alors peut-être en épargner, faire les mettre de côté, je sais pas. Parce que maintenant, ouais, au niveau bouffe, j'ai ce qu'il faut. Par contre, c'est au niveau laine. Je mettrai peut-être les moutons dans un coin. Peut-être que d'ailleurs, je les enterrerai avec. Enfin, je les enterrerai avec. Je les mettrai sur le hub.
D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour faire réellement une ferme, genre parce que là, je me suis rendu compte que par exemple pour les potions, j'ai pas de melon, donc là-bas, je pourrais peut-être faire une ferme à melon automatique qui balancera aussi les items. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, c'est sans doute ce que je vais faire. Donc, je vais faire ça, je vais sans doute remonter la production de canne à sucre aussi, etc., etc. Enfin bref, vraiment faire un truc un peu plus central par là-bas. Il faut que je regarde ça. Voilà. Et puis après, bah, utiliser un petit peu toute la caverne qui se trouve en dessous, enfin du moins toute la surface de la montagne pour monter une salle des coffres qui soit correcte. Ouais, je pense que ça devrait être jouable quand même. Je suis un petit peu en dessous, je suis là, ouais, je vais être un petit peu là. Oui, je vais ouvrir un peu la caverne et puis ça ira très bien, on va pas se poser trop de questions, voilà. Et puis après, donc une fois que la salle des coffres aura été mise, je vais creuser petit à petit, voir un petit peu comment je peux faire pour ramener tous les items. Parce que le maître des. Comment on appelle ça? Entonnoirs là, ça va être un peu long peut-être de là-bas parce qu'on est un petit peu en dessous du machin, doit être quelque part par là, il faut que je fasse ça et après il faut que je remonte, je vais voir un ascenseur à item, voir un virage à négocier et un ascenseur à item pour amener là-bas. Ouais, enfin voilà, il va falloir que je vois un peu ça. Il va falloir que je vois ça. Faut déjà que j'ouvre la montagne, je pense, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, bon bah allez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Sur le projet Stark, aujourd'hui c'était un petit peu l'arnaque, hormis la présentation de ma nouvelle armure et l'installation là-haut que finalement je vous ai faite en off, puisque c'est pas très intéressant non plus de me voir casser et poser. J'aurais pas fait grand-chose, mais du moins je vous ai annoncé quelques projets, donc bon, bah, on va dire que c'est pas si mal. Voilà. Allez, gros bisous à tous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la faire partager à d'autres si d'autres seraient intéressés, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao!